I'm standing alone in the rain. That's how we all look it up. It's good, wanna apologize to you, but it's too late. I just wanna say, yes, babe. Salut tout le monde, c'est Ricky, du Félix. J'essaie de faire cette voix, la voix de la série abrégée, mais c'est pas ça, donc voilà. Donc salut tout le monde, c'est Ricky, et aujourd'hui on se retrouve pour le gameplay de mon personnage favori de l'univers Saint Seiya. Donc j'ai bien sûr entendu parler de... Ikki du Phoenix. Donc on va commencer directement parce que dans la version dans la vidéo d'avant j'ai pas eu trop le temps de parler de ces trucs. Donc il est né le 15 août de... Donc il a 13 ans. Il vient du Japon. Il a été entraîné sur l'île de la Reine Morte. Il est chevalier du Phoenix. Donc Shun. Il a la loyauté vers Athéna. Ses ennemis sont les guerriers divins d'Oda, les Marinas et les Spectres. Donc, ses techniques sont liées au feu. Son histoire, on va parler un petit peu de son histoire. Donc, c'est le frère de Shun, mais dans l'animé. Parce que dans le manga, Ikki, Shun, Shiryu, Yoga sont tous frères en fait. Ils ont tous le même père. Donc, Mitsumaya, je sais plus, attendez, comment il s'appelle ? Mitsumasa Kido, excusez-moi, je connaissais plus son prénom. Donc le créateur de l'entreprise Kido, hein, donc avec Athéna, etc. Le père adoptif d'Athéna, excusez-moi. Shoyoku Tenso. Ouogen Maken. Okyoku Tenso. Voilà. Donc, voilà, ouais, sinon, que dire de plus, que dire d'autre, enfin voilà, quoi. Donc c'est le frère de Shun, de tout le monde, hein, donc, on sait pas qui l'a entraîné, on sait rien, on sait juste que, ben voilà, quoi, c'est l'un des rares à connaître la véritable identité de... des autres chevaliers, hein, donc qui sont frères, hein, qui sont sans frères, ils sont tous frères, juste qu'ils n'ont pas la même mère en fait. Donc la première fois qu'on va le voir apparaître dans l'animé, c'est durant le championnat intergalactique. Il va être considéré comme être l'ennemi de ce tournoi en fait. Hein. Il va être battu par Seiya, qui va combiner le bouclier du dragon. Donc il va combiner le bouclier du dragon avec la chaîne de Shun. Donc il va le battre comme ça. Donc un petit peu what the fuck quand même. Hein. Il est considéré comme le plus puissant des chevaliers de bronze. D'Athéna, bien sûr, en plus d'Athéna. Oui, donc ouais, le plus puissant. Il apparaît très rarement dans les épisodes parce qu'en fait, c'est juste qu'en fait, il apparaît juste pour battre un ennemi que truc n'arrive pas à battre et puis voilà quoi. Après, il se barre. C'est ça en fait. Donc normalement, si le truc a raison, peut-être se battre contre Shun, on verra. Donc dans le sanctuaire, l'épisode du sanctuaire, il va se battre contre Shaka et et il va se sacrifier pour tuer Shaka. En fait, il va s'auto-exploser. Mais comme il dit, le phénix renaît de toujours de ses cendres. C'est la seule fois qu'on l'apparaît. Après, on le voit aussi contre le grand pop, mais il fait pas long feu, hein, donc il fait un petit peu malmené jusqu'à l'arrivée jusqu'à temps que Seiya s'énerve et le fight. Hein. Mm.
Hop, l'illusion du phénix. Ensuite, durant Hades, il va être l'un des rares à... Il va être dans l'obligation, en fait, de tuer Shen. En fait, Shen va lui demander de le tuer parce qu'il était possédé par... Bah, il est possédé par Hades. Donc, il va lui demander de le tuer. Il va pas pouvoir le faire parce qu'il peut pas tuer son frère. Hein. Il peut pas tuer son propre frère qui l'a sauvé, lui, plus tôt. Enfin, plus tôt. Des années plus tôt. Donc, il va tout faire pour l'aider. Et c'est Saori qui va l'aider. Phoenix Game Moko. Tiens, voilà. Donc on peut parler un petit peu du gameplay de... Maintenant, le gameplay de notre cher Ikki du Phoenix. Hein. Donc Ikki du Phoenix, bah, c'est du corps à corps. Hein. C'est un peu comme tous les autres chevaliers, à part quelques-uns, comme... Il y a Kiki qui se bat pas, il y a Shen, il y a... Il y a Adolia, il y a... Bah, Adolia, oui, il y a Fena pas mal, il y a Poseidon, il y a Hades, il y a enfin, pas mal. Donc, enfin voilà. Donc, ces techniques, donc, les techniques, j'essaie de les faire en combat, donc j'attends le prochain combat, donc la finale. On est déjà en finale, les gens, vous savez. Waouh, ça va trop vite. On est déjà en finale. Et ouais. Et j'ai oublié de ceci dire, durant son combat contre l'un des trois, enfin, l'un des deux dieux qui est Paul Hadès, hein, donc il va être dans la possibilité, il va avoir. Le soutien de Aioros ou Aiolia, je sais plus. Aiolia, le chevalier du lion en fait, qui va lui prêter son armure. Enfin, qui va lui prêter son armure. Et voilà, qui va posséder l'armure pendant ce combat. Ah bah non, c'est Ikki du Phoenix. On se bat contre Yuga du Cygne. Donc, ses techniques sont. Je sais pas, c'est. Ah, j'ai pas assez de mana. Excusez-moi, j'ai pas fait attention. On va essayer de gagner son mana. Je baisse sa position. Donc, il y a la technique. Owokuto Tensho. Donc, elle du phoenix. Ensuite, il y a Oao Genmaken. Donc, non, Oao Genmaten, c'est ça. C'est ça, Shop. Hey, il esquive bien, c'est ton... Ce canard. Voilà, c'est bon. Allez, laisse-moi te prendre. Laisse-moi te faire l'illusion du phoenix. Voilà. Il a même pas le temps de le dire. Donc voilà. Il est en train de parler là. Ah, il m'a glacé. Même pas, il le dit même pas. Donc je pense que c'est sa technique ultime. On va voir ce que c'est sa technique ultime. Wow, Genmaken. On va laisser un petit peu taper pour gagner ma barre. Allez, cours. Ah, là, ils ont changé. Sur le site que je suis, c'est O Genmaken. Et là, ils l'ont remplacé par Phoenix Genmaken. Donc, c'est peut-être l'évolution de sa technique. Ça se peut aussi. Hein. Par contre, la technique qui est bien, c'est qu'il court en fait vers l'ennemi. Phoenix Genmaken.
franchement, elle est énorme. C'est, mon... c'est pour ça que c'est... il est trop stylé. C'est trop un perso stylé. Le mec. Il fait trop. Il... Enfin, voilà quoi. Il a la classe. La classe. Donc voilà. Le tournoi a été gagné par Phoenix. Par Ike de Phoenix. Il n'y a plus trop rien à dire hein, sur lui. À part qui, voilà quoi. Il a 15 ans dans l'histoire, c'est tout. Et voilà. Ike a remporté le tournoi galactique. Oh, excusez-moi. Oh, Anna. Oui, merci, 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 Athéna, merci. Je sais, je suis trop fort. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite de, bah, des gameplays. Et peut-être le commencement d'un nouveau let's play que je vais pas tarder à faire. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt, et comme dirait Ike contre Shaka dans la version abrégée. Ouais, je suis un dingue, j'ai fait beau doigt. Enfin voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt, et à bientôt. Voilà, c'est tout, je sais, je dis beaucoup de fautes, bientôt. Ciao, ciao.